Allez messieurs, au suivant, venez tester le canon, tentez votre chance pour attraper le Graal. Il y a pas de gagnant avec des perdants. Allez, venez, un seul essai seulement par personne. Le canon. Eh bam, du coup, bonjour à tous, bienvenue sur Life Goes On pour la suite de nos aventures. Bonsoir de nouveau le chat, bonsoir YouTube, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va. Hein. Donc nous sommes dans la troisième partie. Là, on va partir donc tac 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 sur le château. Et après, je sais pas combien il y en a. On va voir de toute façon combien de temps ça nous prend. Lançons tout de suite. Tac, donc on arrive. Et on va voir. Donc nous sommes là avec notre petit chevalier. Le but va être de le faire mourir afin de créer soit des plateformes, soit des conducteurs, soit quoi que ce soit qui permette de faire avancer les mécanismes. Donc regardez par exemple celui-là. Il va pousser un type en l'air. Donc il faudrait qu'il meure et qu'il soit poussé là contre. Parce que regardez, si je m'enlève, le feu revient. Donc tu vas m'arrêter ça, toi tu vas mourir électrocuté là-dedans. Et maintenant tu t'envoles. Voilà, il se bouffe le truc et voilà. En étant envolé comme ça, bon il est tombé à côté, c'est pas grave. On va essayer, non mais j'aimerais que vous mouriez. Regardez, on va en suicider deux pour la forme. Et j'aimerais qu'un reste au moins sur le bouton. Hop, vous restez sur le bouton. Ce qui me permet de passer d'ici. Jusque là, pas beaucoup de problèmes. Hein, on est d'accord. Victoire, bon j'en utilisais plus qu'il fallait normalement avec un mort, tu devrais réussir. En 3 sur 3, parce que voilà. Mais avec un mort, normalement ça passe. Regardez. Gardez bien, gardez bien. Donc là, on tombe ici. On active ça. On va devoir en utiliser deux, je pense. Parce qu'il en... Ouais, il faudra que le premier arrive de l'autre côté. Donc. Là, on laisse le bloc de glace partir. Il se fait aspirer, hop, il arrive là, bam. Et là, il faudra un deuxième bloc de glace. Pour faire le voyage, et on essaie de pas le rater. Voilà, hop, on saute là, et on a fait le voyage. Et le Graal est à nous. Magnifique, n'est-ce pas? Ah, donc là, hein. Les premiers niveaux, c'est toujours les plus simples. Après, ça se corse toujours. Et ce qui est bien, c'est que dans chaque endroit différent, en fait, il y a des nouveaux mécaniques. Nouvelles mécaniques. Donc celui-là, il faut que je le fasse revenir, et que je descende, je pense, avant lui. Tac, voilà. Hop. Chevalier Stargate. C'est pas mal comme titre, Chevalier Stargate. Je vais garder. Et là, bam. J'ai pas demandé ce que ça fait ça. Ah, ça éteint le feu d'en bas. Parfait. Je peux pas passer par en bas. Il y a le feu. Bon, attends, lui, on va se servir de ce machin. Donc, toi, s'en fout. Occupe-toi de tes fesses. Hop. Donc, on crée un super bloc de glace. Qu'on va pousser tout à l'autre bout de la piste. Hop. Et là, on lui file le zob, il prend de l'élan et... Ah, ça passe pas. Ça passe pas. Attends, on va recommencer. Je crois que je sais. Il va falloir. Ou alors, il fallait juste attendre qu'il fasse lui-même le... En fait, c'est... Il fallait le laisser faire son cours, tout simplement. Il partait, il revenait, il prenait vachement plus d'élan au final. Moi, je me compliquais la vie. En fait, ce que je voulais faire, c'était foutre l'espèce d'onde de choc, enfin le truc qui le pousse, et de grimper dessus pour appuyer sur le bouton. Ça aurait été un peu le bordel. Tu peux pas mettre genre 10 000 blocs de glace où je fais les glacés. Ouais, j'aurais pu mettre 10 000 blocs de glace. On peut essayer si tu veux. Regarde, attends. On va essayer de mettre 10 000 blocs de glace. Regarde, regarde, regarde. Donc, un bloc. Deux blocs. Trois blocs. Quatre blocs. Cinq. Six. 17. J'ai plus la place pour passer maintenant. Regarde, 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 regarde. J'ai perdu le pause. Je crois qu'on est à 18, 19, 20. Regarde, maintenant on appuie sur le bouton. Parce que de toute façon, j'ai plus accès au truc. Eh ouais, ça marche effectivement. C'est méga bien. Combien on peut en mettre encore? Regarde, regarde. On va en mettre le plus possible. C'est une façon de faire, effectivement. C'est une façon. On peut y aller, hein, honnêtement. On a le. On peut en mettre un paquet, regarde. Un paquet. Je pense qu'on remplit, on remplit l'écran. Au bout d'un moment, il n'y aura plus la place. Je vais pas pouvoir finir la mission parce qu'il y aura trop de gens planqués partout. Je veux voir la charrette sur. Ah oui, j'avoue, la charrette à la fin, ça va être très drôle. Par contre, ça a appuyé sur le bouton, du coup, ça a réactivé le feu. En... Et ça, c'est un peu con. J'aimerais me geler les miches, s'il vous plaît. Mais je crois que je peux plus, en fait. T'as vu, parce que ça a tout rempli maintenant. Vite. Regarde maintenant. Attention. La charrette de l'infini. Ça lag tellement c'est le bordel. Hop, ils lui tombent tous dessus. 47 cadavres pour faire ces blocs de glace. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal du tout. 47 sur 3, hein. On va voir la suite, ce qu'il nous montre. Ça se trouve, on pourra faire des tas de blocs de glace. Qu'est-ce qu'il y a là?
Ok. Ok, je fais un méga jump. Voilà, donc là. Donc là, il va falloir. Il va falloir se suicider. Alors lui, où est-ce qu'il va? Ah! Oui. Alors attends. Là, on court dans le vide, hein. Hein, parce que c'est. La. Seul le pénitent. Le pénitent. Hop, et du coup, on prend appui sur lui. Et on s'accroche. C'est super. Hein. Et on peut repartir. Bon. C'est génial. Il faudrait. Ça fait penser un peu au. Au truc de test pour les parachutistes là. Sauf que là, bah, t'es en armure et t'as une épée. Hop. Je suis sûr que même on peut le faire sans. Sans débile qui est tombé. Ouais, non, juste pas, hein, mais. Le cadavre est là pour une raison, je pense. Bon. Alors celui-là. What the fuck, je suis parti où? Eh, aussi, on allait nourrir Jeff pour une fois. Non. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment le. Oui! Tu sais pas où tu pars. Alors maintenant, toi tu fais quoi? Alors feu, pas feu. Donc il va falloir. Il va falloir. Bah faire un bloc de glace déjà. Ah parce que je peux pas sauter. Gna. Prends le bloc de glace. Hop, passer sur les blocs de glace pour pas se faire écraser. T'as vu? Comme c'est ingénieux de leur part. Donc là, on marche dans le vide. Ah ouais. Du coup, là, je peux plus parce que j'ai plus mon. Et puis là, je peux pas faire un super jump pour prendre. On empile les blocs. Allez, viens avec moi. Par contre, je sais pas si lui il flotte. Hein. Mais il flotte, magnifique. Hop, là, on essaie de grimper dessus. Et voilà. C'est pas mal, hein. Empiler les blocs, ça a toujours été notre grand plaisir, hein. Tu vas pas me contredire, Vadius, hein, empiler des blocs, ça a toujours été un grand kiff. Donc, il te faut de nouveau plein de blocs de glace, tout simplement. C'est la solution ultime à tous les problèmes. Bien sûr, les blocs de glace, c'est la vie. Donc là, si je vais là, bah, je me bouffe le mur. Et si je vais là, il me fout en bas. Ah, mais ça a dû faire, ça a éteint ça. Donc là, attends, on va juste aller voir. Lui, quand je le grille, ça ouvre le grand passage. Donc là, il va falloir que j'ouvre. Si tu veux bien descendre, s'il te plaît. Tac, là j'ouvre et il va falloir que je fasse le grand saut. Et attends, il va me falloir ça. Du coup, je vais me dégager la mouille super vite et je vais remonter normalement. What the fuck? Ok, donc ça passe. Ça fout des pics, donc il va falloir tuer un type là, le faire tomber. Et ça, je sais pas ce que tu fais, tu te pousses par là, hop, ça passe devant le feu, tellement c'est bien. Un bloc de glace, ça glisse, et le jeu fait tout seul. Le jeu joue tout seul sans moi. Hop, donc là, par contre, je vais me faire cramer les miches, non? Non, ça passe. Ça passe. Hop, et là, on a la plateforme. Non. Merde, reviens là-bas. Putain. Non. Vu que tu adores les jeux 2D difficiles, je te conseille de t'aider tester Salt and Sanctuary. Alors oui, par contre il est sur PS4 seulement, non, si je dis pas de bêtises. Bon, chier, je vais tout recommencer. Il avait l'air bien cool. Espèce de Dark Soul, Dark Soul-like. Très prononcé, mais vu de côté. Il a l'air assez sympa. Par contre, je sais pas s'il est que sur PS4, justement. Hop, on tombe pas derrière, voilà. Cette fois, c'est fait. Tac. Alors, donc, bloc de glace, hein. Bon, celui-là, je pense pas qu'on arrive à en faire passer 140. Donc, toi, tu vas là-bas. Il aura sûrement une utilité quelconque. Ok. Ah oui, je sais. Il faut, bien sûr, la technique des blocs de glace. Technique qui marche, technique imparable des blocs de glace. Donc là, je glisse sur la neige. Voilà, alors hop, lui il va aller appuyer là-bas. Tac, ça éteint le feu. Maintenant, il va falloir que toi tu meurs là-dessus, ça me fait une plateforme. On est d'accord. Et bah, un bloc de glace. Bam, et toi tu vas glisser là-bas. Et moi pendant ce temps. Ah non! Ok, toi tu y retournes. Ok, non, parce que sinon on va jamais y arriver. Ah bon, Jeff, tu vas mourir, je te file pas à bouffer.
peux toujours crever. Ok, qu'est-ce que c'est ça? Putain, ça a l'air d'être le boxon. Donc toi, tu m'attires là, mais j'ai pas envie d'aller tout en haut. Bon, alors, bon bah, du coup, j'ai plus mon mot à dire. Tac. Toi, tu fais quoi? Toi, t'as atteint le feu, donc le feu, on va l'éteindre. Hein. Et toi, t'attires en l'air. Moi, ce que j'aimerais, c'est aller juste là, en fait, s'il vous plaît. Voilà. Ah merde, mais je peux pas atteindre l'électricité. Donc le canon. Le canon, on va faire griller un type là-bas. Ah, hein. On va faire griller un type là-bas, j'ai dit. Mais voilà. Voilà. Donc maintenant, ça éteint le feu, je crois. Il va falloir, je pense, griller un là-bas dedans. Merde. Je pensais que ça passait à travers les rails. Oui, mais en fait, j'ai pas besoin de grimper avec. Normalement, on devrait pouvoir tirer dans le... Mais pousse-toi. On va pouvoir tirer là-dedans. Hop, et il va juste grimper pour se faire greler. Ah là, mais c'est parfait. Et nous, on monte. Voilà. Tac. Quand on trouvera tout, hein. Donc toi, tu fais quoi? Toi, t'actives ça. Toi, t'actives ça. Prendre le checkpoint. Il va falloir tirer là. Et il se fait greler. Par contre, je sais absolument pas ce que ça fait quand il se fait électrocuter, celui-là. Je n'ai pas la moindre idée. Voilà. Hop, ensuite, canon. Canon, tu tires là-dessus. Vas-y, vas-y, tire. Bourre-lui le chou. Bourre-lui le chou, j'ai dit. Hop, et maintenant... Oui, on peut monter là. Bon, on n'a pas encore gagné, hein, moi je vous dis. Toi, tu fais quoi? Toi, tu bouges le chariot du canon. 20 minutes later. Allez messieurs, au suivant, venez tester le canon, tentez votre chance pour attraper le Graal. Il n'y a pas de gagnant avec des perdants. Allez, venez, un seul essai seulement par personne. Le canon. Une attraction de luxe. Prisée par les plus grands. Et comme on dit, il n'y a pas de perdants avec des gagnants. Parce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé le Graal. De toute façon, le Graal, c'est un bocal en choix. Oh, un cri de Wilhelm. Alors, il faut faire une pile de mecs morts pour grimper jusqu'en haut. Mais ça me paraît gros quand même. Faudrait des blocs de glace. Et puis... Oh... Feu! Feu! Tirez sur l'ennemi! Feu! Envoyez les soldats parachutés! Feu! Il n'a... Messire! Messire! Il n'arrive pas à passer par-dessus la palissade! Messire! Il s'entasse dans notre forteresse! Messire! Nous avons un problème! Feu! Feu! Envoyez tous les chevaliers! Il y en a bien un qui passera par-dessus la forteresse! Feu! Feu! Feu, rapprochez le canon! Feu! Un est passé par-dessus la palissade, il n'a pas atteint sa cible! Feu! Feu! On ne sait pas pourquoi il en revient. Il en redemande en veux-tu en voilà. Quoi? Vous foutez de ma gueule! Vous foutez, mais royalement, de ma mouille. C'est genre le truc, il est passé 4 fois dessus, il l'a pas ramassé alors que là, un tir au bol, il le ramasse.